peut pas avec moi. Il peut pas avec moi. Il peut pas. On dit ouais. Bébé. Pas pour des bandeaux. On a vu ici, toi, Arafat, tu défilais matin, midi, toi, c'est droit. Si tu ne donnes rien, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Mais c'est méchant de ta part. C'est méchant de ta part. Il dit que c'est méchant de ta part, des bandeaux. Et c'est pas gentil. Si tu ne peux pas le soutenir, ferme ta bouche et puis passe ta route. Si tu ne peux pas le soutenir, là, ferme ta bouche et puis tu passes ta route. Après, quand on va dire que vos bêtises, vous fumez là, c'est ça qui vous fait faire les bêtises aussi. Vous allez venir dire aux gens que non, Léouis a pu accuser lui là, de faire ci, de fumer ça, de fumer ça. Mais c'est des fumeurs. Si ils fument pour la poudre, on ne faut pas en dire fumer. Et si pour la poudre, c'est la fin du monde, c'est son choix. Donc il faut qu'il assume son choix, assumer le choix. Si eux fument avant de faire leurs bêtises là, mais il faut le faire, on le dit ici. Alors quand c'est dit la vérité, c'est le bain. Je n'ai rien contre lui. C'est un frère, c'est un ami, je l'aime beaucoup. Je l'adore. Mais les petits frères, quand ils foutent le bordel, il faut les mettre un peu au pas. Dewodo, si tu n'as rien à dire, pour soutenir Drouba, ferme ta bouche. Tu es un artiste qualifié, tu es un artiste talentueux. Je pense que ton talent, tu aurais pu le mettre au service de la nation. Car dans la nation, il y a des gens qui ne sont pas dans mon domaine. D'accord? Dans le rang social de Drouba comme ça, là, ok? Il y a des gens qui sont du même rang social que lui, qui n'ont pas la chance d'avoir des gens pour venir les aider. Un gars comme Didier Drouba, à la tête de la Fédération Ivoirienne, va attirer les recruteurs dans ce pays-là. Parce qu'à cause de Didier Drouba, la Côte d'Ivoire est décidée parmi les pays qui devaient envoyer beaucoup de footballeurs, qualité physique, grand détail, qui ne sont pas techniques. Drouba, on sait qu'il n'est pas technique. Mais là, quand il est dans les 6 mètres carrés de but, il met au point. Quand il donne dos comme ça, vraiment, vous êtes dos derrière, il dort sur vous, et puis il amortit le ballon, et puis ça descend, quand ça descend, c'est foutu. Donc il faut l'empêcher d'amortir le ballon. Regardez les buts de Drouba. Donc un gars comme Didier Drouba, comme ça, s'il vient au pouvoir, il prend la Fédération Ivoirienne, le football ivoirien, c'est la joie dans le cœur de tous les Ivoiriens. Il y a un petit qui m'a appelé la dernière fois, il m'a dit, ah, Pépé, tu sais que Drouba là, on a qu'à le respecter, hein. Il dit, mais comment ça? Viens. Moi là, je suis en Russie, ici, on peut me rapatrier, contrôle de routine, il n'y a pas pièce. Il dit, ah bon, oui, je n'ai pas pièce. Donc le policier qui m'a arrêté, il m'a dit, tu n'as pas pièce. On est en prison. Il dit, please. Il a commencé à demander pardon au policier. Et donc, pour se détacher du policier, il dit, on dit, mon, tu viens de quel pays? Il dit, Côte d'Ivoire, le policier ne connaît pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est où? Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, cacao. On dit, on s'en fout le cacao. C'est quoi le cacao? Fous le cacao là-bas. Il dit, Drouba. Il dit, Drouba, Chelsea? Il dit, oui. Drouba, Didier, Drouba, Chelsea? Yes. Same country? Yes. Le policier est arrivé comme ça, il dit, je te laisse partir à cause de Drouba, parce que je l'aime beaucoup, because I love him. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un se bat pour devenir quelqu'un davantage, pour apporter surtout du bien à ses siens, il faut soutenir. Sinon c'est haram. Quand tu ne soutiens pas là, c'est haram. C'est pas bon. Surtout qu'on est dans un mois de jeûne, un mois spirituel. Le mois précédent était un mois de jeûne, donc on a vécu deux mois similaires, c'est-à-dire le mois chrétien de jeûne et puis le mois musulman de jeûne. Les deux mois étaient collés. Il faut soutenir. Donc, à Debordo, ta vidéo que tu as faite, où tu t'es mis à dénigrer cette personnalité-là, il faut te dire que tu es ivoirien et puis tu es un artiste de renommée. Donc, ta voix compte. L'opinion internationale, tout ça, là, c'est des sondages qu'ils font. C'est pour ça que les chefs d'État, là, avant de faire un discours, là, ils embauchent un chef de communication, porte-parole, tout ça, là, pour travailler sur ses propos d'abord. Voilà. Et quoi? Drouba. Depuis la mort de Arafat, c'est chaud sur les réseaux sociaux. Chacun veut conquérir nos champions. Là, c'est nous. C'est comme on a conquis, on a conquis le peuple, là. C'était grâce à Facebook, parce que ton papa t'a appelé, mais Orange partage Internet, donc toi t'as levé pour venir écouter, écrire du n'importe quoi. Il faut réfléchir avant de parler, hein. D'accord? Il faut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir. Pour conquérir les réseaux sociaux là, on a Pia, on peut sponsoriser. Mettre une petite photo, puis tu sponsorises, tu es en train de faire ton quête comme ça. On n'a pas besoin de venir faire direct. C'est ce que ça s'est passé, c'est si ça s'est passé. Voilà, c'est tout. C'est l'erreur quoi, je dis que là, moi personnellement, c'est l'erreur commis là qui est là. On t'allume, tu parles pas. Mais on prend dans sa nom sur toi. Hein. Mais moi, c'est pas du jeu. J'ai mis pas. D'ailleurs, même là, si vous voulez écouter encore le morceau, appuyez j'aime.
Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Voilà. Le morceau qu'il a fait pour Drouba, là, il est en ligne sur ma chaîne YouTube, DJ Lewis officiel. J'ai dit cette chanson est dédiée à tous les fanatiques de DJ Drouba. Allez-y, prends le lien de cette chanson-là. Mettez ça sur votre page. Parce que tout ce qui est dit dans la chanson, là, c'est pas couper des galets ou on crie avec bruit. C'est voyant. C'est comme ça on chante dans mon village. C'est comme ça on chante. Vous allez m'énerver encore la semaine prochaine. Bombarder notre son. Mettre sur un autre son. D'ailleurs, même la semaine prochaine, il met coronavirus encore. Ça, c'est un autre genre musical. Orchestration musicale. C'est pas les bêtises monotones là. C'est, non, ça n'a rien à voir. Ma musique là, j'ai fait voyager ça. Il y a plus du recul pour mieux sauter. Allez, c'est prêt à sauter. Même parce qu'il y a un bondi même dans la gorge des gens. On va aller voir ici là. On va aller voir. Oh. N'écoutez pas les gens qui vont venir vous laisser des commentaires à cotation pour vous démoraliser. On m'appelle mental d'acier. Ouais. C'est même bâtard qui insulte les gens ici là. Excusez-moi du thème. Mais c'est les mêmes gens là. Quand tu meurs, ils viennent mettre des photos. Oh, je les mets. Menteur, tu es sorcier. C'est vous là qui tuez les artistes là. Ivoirien là. Si tu peux pas encourager, passe ton chemin. Drouba ou rien, oui. Drouba ou rien. Didier Drouba ou rien. Celui qui ne peut pas l'aider, l'encourager, passe ton chemin. Voilà. Moi, personnellement, du haut de mon succès, j'étais artiste vedette au stade Félix Foubagné. Ceux qui sont allés ce jour-là, ils sont témoins, ils sont ici. Je n'ai pas demandé de l'argent en retour. Le montant qu'on m'a proposé pour l'événement qui avait été organisé par le fan club de Drouba, Didier, à l'époque au stade Foubagné, était de 200 000 francs CFA. Ça, c'était au temps de notre temps. C'était les cachets comme ça, on prenait. 200 000 francs CFA. On n'a pas cherché l'argent, on a cherché l'amour pour la chose, sincèrement. Moi, c'est l'amour pour la chose, mais ce jour-là, le spectacle qui est donné au stade-là, c'était plus que... Là, c'était plus que... Il dit, tu vois, les gradins, ça, c'est les VIP, là. Moi, je ne suis pas monté par escalier, moi, je suis monté par tunnel, là. Je suis bas de tunnel, je suis monté à caler, à taper tout le monde, pas à tout élu. Bah, il est fan de ce monsieur-là. Donc, on me voit en boîte souvent, ah, Lewis, tu ne changes jamais mon nom. Lewis, tu ne changes jamais, il dit, frère, ton nom aussi, là, tu ne me donnes jamais aussi. Il dit, mais comment ça? Tu te rappelles pas quand tu étais à Macori Gasoil? Hein? Comment il était là-bas? Quand il dit, tu n'es pas là, je m'en vais. Ou Lewis ou rien? Je dors, Drouba. C'est parce que mon frère me reproche toujours ça. Ah, Lewis, tu n'aimes pas aller vers les gens pour demander service. Il dit, non, je suis désolé. Il n'a pas envie de gâter. Il préfère mieux aimer une personne comme ça et non par rapport à son argent. Parce qu'il a lui demandé service, il va me dire, non, il veut pas. Ou bien il va me dire, non, c'est-à-dire que c'est un peu chaud. Alors qu'il sait que tu peux m'aider. Du coup, mon nez va rester. Et puis tu avais dit non, il ne peut pas. Ça fait que tu as m'énervé parce qu'il t'est traité de méchant. De la manière dont je suis là, tout le monde n'est pas comme moi. Donc là, mes gens à qui ils demandent un ton de service, là, ils ne sont pas comptés du doigt. Ils ne valent même pas 5. Ils savent mieux. Non, Lewis, on a besoin de revenir, mais comment? Non, chacun a son temps. Laisse les autres tellement profiter, ce n'est pas grave. À mon temps, ils faisaient ma gloire. Là. Je n'ai pas envié quelqu'un. Je ris pour leur gloire, je suis content pour eux. Voilà. Le bonheur de ton ami doit faire ta joie. Le bonheur de ton ami doit faire ta joie et une bénédiction pour toi-même. Voilà. Donc, si tu te plains, tu rentres dans les bois sacrés pour aller faire du mal à tes amis, frère, il y a des gens qui ne touchent pas dans ce monde. On dit, bon, toi, le problème, pire, on est d'accord, pire, mon couille, on est d'accord, pire. Si tu as mis, tu tombes. Mais, il y a des gens là, on ne les touche pas. Les gens comme Drouba, par exemple, on ne les touche pas. Les gens comme Lewis, là, ils sont uniques dans le monde. Enfants des familles pauvres. Moi, tu sais, moi, si je suis allé dans mon village, il n'y a pas route. Je me demande comment mes parents ont fait pour arriver ici à Abidjan, pour migrer à Abidjan. Et donc, nous, notre génération, on est sacrifiés avant nos parents travaillent. Ils étaient receveurs de bus, mais ils ont pu payer maison. Mais nous-mêmes, là, on travaille dans le bureau. On n'arrive même pas à payer des sacs de ciment. Il y a des gens qui travaillent dans le bureau qui ne peuvent même pas acheter une maison. D'autre part, aussi, il y en a qui ont salé 300 000 francs, puis ils ont un immeuble. Où est-ce qu'on me demande? C'est pour ça que Cocody est le plus touché dans le coronavirus. Tellement ils ont que noir ici, ils sont méchants. Cocody, c'est les voleurs, les ceux qui font des détournements de fonds, les gens qui sont dans les entreprises, c'est la majorité. Non, tu vois un immeuble, on dit c'est pour un douanier. Tu vois un immeuble ici, on dit c'est pour lui là. Voilà. Écoutez encore la chanson que j'ai faite pour Drouba. J'ai mis le morceau en ligne tout à l'heure, tout de suite là même. Le morceau, j'ai mis en ligne. Allez-y prendre les fanatiques de Drouba. Écoutez encore, il met un petit bout encore. Écoutez, il met pas. Écoutez, mon couille, animal, il y a nous là. Il brûlait.
Il sait chanter. Le R, rigoureux. Rigoureux, il est rigoureux. Le bien dit ça, t'es rigoureux. Instruisez rigoureux. C'est ce qui signifie qu'il ne sera pas corrompu. Voilà, c'est pas. Je ne veux pas faire de comparaison. Chacun fait son chemin de sa manière, à sa manière. Chacun fait ses œuvres. Mais l'histoire retiendra que le seul et premier footballeur ivoirien qui a pris son argent, qui a construit l'hôpital pour donner ça à une commune, pour donner à la nation ivoirienne, il n'a pas fait ça au Mali, il n'a pas fait ça au Sénégal, il n'a pas fait ça au Tchad, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Drogba aurait pu prendre son argent et puis aller s'asseoir sur les îles Seychelles ou bien pour aller les îles Maldives avec sa belle petite famille qu'il aime tant et puis manger son argent. Quand on l'appelle, Drogba fait publicité, il prend un jet privé, il s'en va. Mais il dit non, à tout moment où il est confiné à Bidjan avec vous, c'est gratté dans le monde entier. Mais lui, il a dit viens. Par amour pour son pays. Il y a des gens comme Drogba là, vous ne devez pas les toucher, les gars. Quand ça va aller, non, Drogba n'a pas gagné là. Vous devez, c'est là, vous devez descendre dans la rue pour faire la révolution, pour lui donner encore de la valeur aux yeux du monde entier. Oui, Atis, si tu penses que tu n'as rien à dire pour Drogba, tais-toi. Parce que moi, Lewis, je me sens dans l'obligation de parler pour Drogba. Je me sens dans l'obligation, c'est un devoir civique. Oui, c'est un devoir civique. Drogba, il a fait pour moi, Lewis, spécialement beaucoup. Même s'il ne m'a pas donné l'argent, c'est pas ça le plus important. Il a porté le genre musical que j'ai fait aujourd'hui dans les annales, les anneaux, mais je sais pas, excusez-moi, je suis pas francophone, moi je suis de San Pedro. Voilà, Giglo, San Pedro et Buenda, ça c'est chez moi, tout ça. Donc, lapsus linguistique là, excusez-moi, si Ben est à moi, je ne peux pas brûler, je ne peux pas brûler, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas flamouer, je ne peux pas flamouer, je ne peux pas. Ce n'est pas pour mes parents. Donc, je parle mon français comme ça me plaît. Voilà, quel est mon. Ah ouais. Voilà. Drogba, son nom, il a fait que couper de calé. Il a continué en quelque sorte à propulser le couper de calé. Vous avez oublié? Quand il marque un but, il va et puis il danse. Il danse. Il danse avec ses coéquipiers. Quand il marque, il danse aile de pigeon. Aile de pigeon. Quand il marque, il danse sans guerre. Quand il. Yuka Adebayo s'est venu de nulle part. Lui aussi, même chose. Voilà, c'est un modèle. Un Drogba comme ça, s'il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, Fédération Ivoirienne de football, quelqu'un qui est beaucoup aimé par les clubs, quelqu'un qui est crédible, à part qu'ils sont un peu très nerveux et puis impulsifs, et puis on lui a toujours collé des cartons rouges, bizarrement, tu vois, non, pour des choses un peu futiles, mais d'accord, ça reste quand même un des meilleurs attaquants du monde. J'ai vu un témoignage d'une maman qui disait ceci, Drogba, elle est partie à la Mecque, et elle était un peu souffrante, elle avait mal au cœur, elle ne peut pas bien marcher, donc sa délégation a marché plus vite qu'elle, dans la Mecque là, hein. Et puis elle a perdu de vue, elle était perdue. Elle a dormi là, jusqu'au lendemain. Le lendemain, elle s'est réveillée. Elle est allée vers un policier pour dire: ah, Côte d'Ivoire, le policier dit parle, il ne parle pas français. Il ne comprend pas français. À la Mecque, hein. Donc, elle ne savait pas quoi faire. Eux veulent l'aider, mais la femme et le policier n'arrivent pas à communiquer à la Mecque. Que dire? Quoi dire? Pour qu'on sache qu'elle est de la délégation des Ivoiriens et on sait où est-elle des Ivoiriens. Elle a dit: je viens du pays de Didier. Tout ce qu'elle a dit, je viens du pays, on n'a rien compris. Tout ce qu'ils ont entendu, c'est Drogba. Ah, Drogba, yes. Drogba, Ivory Coast, yes. La maman a dit, oui. Et puis elle a terminé pour dire que c'est un enfant qui est béni. Les enfants bénis, la nuit d'Agbem Bihou, c'est comme ça, moi aussi béni. On m'a appelé avant de me dire qu'il y a un artiste du coupé de Calais qui est en train de rentrer dans le tas. Béni, il faut arrêter en même temps. Ce que tu as commencé, il faut arrêter. Donc, moi, je m'adresse aussi à tous nos dirigeants ivoiriens. S'ils ont essayé de s'amuser, c'est un message. À vouloir faire les marmailles, c'est pas bon pour eux. C'est même pas bon pour eux. Il y a un malheur qui va les frapper. C'est pas une menace, mais c'est une vision. Tu comprends? C'est une vision. Moi, Lewis, je ne tente de ne rien faire. J'ai ma petite vie avec ma petite famille, mes enfants que j'aime tant. J'ai mes petites activités qui me font rentrer les un ton, ils prennent pour vivre, colle les jours, puis j'avance un peu.
ça me suffit. Couper les câlins là, c'est une option. La musique là, c'est une option. C'est une passion que je vis. Si dans la passion, rakata, 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 bon Dieu bénit encore, alhamdulillah. Si Dieu dit c'est pas mon moment, ceux qui profitent là, aujourd'hui là, je les regarde. Et puis je suis content.